L'attente aura été longue. Classe égale à HR, Elle danse avec les stars est l'un des programmes télé qui a le plus été impacté par la crise sanitaire. Après une saison dite réussie et remportée par Samuel Guédari en 2019, TF1 n'a eu d'autre choix que de reporter le tournage de l'édition suivante. Mais après plus d'un an d'incertitude, Danse avec les stars s'apprête à faire son grand retour. Mardi 24 août 2021, la date du début de la diffusion a même été annoncée. C'est à partir du 17 septembre prochain que les téléspectateurs pourront juger les prestations des nouveaux candidats. Et surprise, il s'agit d'un vendredi. En effet, TF1 a dû revoir la case de l'émission habituellement diffusée le samedi pour faire de la place cette année à The Voice All Stars, qui sera lancée dès le 11 septembre. Comme pour les deux saisons précédentes, Camille Combal s'est vue confier les rênes de Danse avec les stars. Karine Ferry ne l'accompagnera plus pour présenter la première partie de l'émission, mais elle se retrouvera en revanche seule pour la suite. Data MCE marque égal à 1 enfin, rappelons que le jury du programme fait peau neuve cette année avec les arrivées de Jean-Paul Gaultier, François Allu et Denitsa Ikonomova, quadruple gagnante du show. Seul Chris Marc retrouvera sa place. Lui qui est juré depuis la première saison du programme. Du côté des danseurs, Coralie Licata a été choisie pour pallier à l'absence de Denitsa Ikonomova. Une jolie brune très talentueuse qui n'est autre que l'épouse du danseur Christophe Licata. Le casting a lui aussi fini d'être officialisé. 12 personnalités vont se déhancher chaque semaine sur le parquet. À savoir Lucie Lucas, Moussa, Koh-Lanta, Aurélie Ponce, Lola Dubini, Wijden, Bilal Hassani, Jean-Baptiste Monnier, Laham, Jérémy Crédeville, Tech, Michou le jeune youtubeur et la star internationale Dita Von Teese.